Je suis Madame Kaba Safi Emma Diakité. J'ai 25 ans et titulaire d'un Master 2 en stratégie et management des organisations touristiques. Par ailleurs, jeune entrepreneur, évoluant dans les domaines de la mode notamment, de l'art et de la décoration dans un concept purement africain récemment, à travers EMAF, qui est une ligne de vêtements que j'ai lancée en 2018 pendant que j'étais encore étudiante et qui au fil de temps s'est imposée en maison de mode, tout simplement comme je viens de le signaler. Je me vois plutôt comme une jeune entrepreneur, femme, passionnée de mode, très passionnée, si je peux me qualifier comme ça, et qui surtout a une vision en laquelle elle croit fortement et se donne d'ailleurs les moyens d'arriver au bout de ses objectifs. Je dirais pas du tout. Le fait peut-être d'avoir été mise a plutôt été un impact positif pour cette activité que j'ai lancée. Mais ma passion pour la mode date de très longtemps, je dirais depuis ma jeune enfance, où je passais tout mon temps à découper des modèles sur des papiers. J'ai encore des albums que je conserve depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, quand j'ai commencé. Donc tout est parti de là. Moi, je n'ai pas du tout voulu travailler pour quelqu'un. Et mon projet, là, pour moi, je le voyais plus grand. Je me disais finir de grandes études, commencer à travailler dans de grandes entreprises, trouver le maximum de fonds pour commencer grand, en fait, avec un showroom directement. Mais de là, je me suis dit, je ne suis pas obligée de passer par cette étape-là. Je peux tout de même, avec l'avenue du digital, me lancer et commencer petit par le bas de l'échelle et observer ce parcours grandir au fil des années. Donc c'est ce qui a été fait. J'ai commencé à lancer la ligne de vêtements en 2018 sur Facebook. Les gens ont beaucoup apprécié. Je me suis améliorée, j'ai apporté des innovations. Plus le temps passait, je faisais pas mal de défilés dans une dizaine de villes au Maroc. Je saisissais en fait toutes les opportunités qui se présentaient à moi pour faire connaître ce que je faisais. Ça non, parce que je m'y étais déjà préparée psychologiquement. Je me suis dit qu'en commençant, déjà quand on commence grand, il y a des difficultés qui se posent sur le chemin. À plus forte raison, commencer petit pour aller rejoindre le haut de l'échelle. Je me suis dit que j'étais déjà préparée à ça. Je m'étais dit que sans doute j'allais rencontrer plusieurs obstacles et que ces obstacles, moi je ne les voyais pas comme ça. Je les voyais plutôt comme des expériences positives qui me permettront dans un futur proche, dans 5 ans, dans 10 ans, de les éviter en fait, d'être plus forte, d'être plus mûre dans le domaine et de me permettre d'aller justement de l'avant. Pour le moment, très bien. Peut-être très bien parce que je suis nouvellement mariée et en même temps, je n'ai pas la petite famille, les enfants à gérer pour le moment. Peut-être que ça va se compliquer un peu plus après, mais je ne le pense pas. Dans la mesure où je l'ai préparé, mon mariage pour moi, je l'ai préparé, ça faisait partie d'une étape de la vie. Et Dieu merci, ça, c'est arrivé à un moment où je le voulais. C'est-à-dire que dans mon plan, ce que je m'étais établi, commencer tôt à entreprendre, courir dans tous les sens s'il le faut, pour mettre sur pied les bases de ce que je suis en train de faire, pour me permettre que lorsque je serai mariée, de ne pas avoir à courir dans tous les sens, d'avoir une équipe stable qui soit dans le même esprit, qui permette à l'entreprise en fait de grandir plus rapidement. L'inspiration, c'est la capacité d'imaginer, de créer. C'est la capacité de voir quelque chose en vert et de transformer cette chose en jaune. C'est si vous voulez, c'est cet esprit imaginatif, créatif, qui rend les choses différentes et meilleures. Merci.